Monsieur Burroughs, Noah Dalton, notaire de votre oncle. Toutes mes condoléances, monsieur. Son journal. Il a expressément demandé qu'il vous soit remis et que vous soyez le seul à le lire. Vous y trouverez peut-être les explications que vous cherchez. Maintenant, je vous laisse. Et encore, toutes mes condoléances. Mon cher Edgar, je me souviens du temps où je te prenais sur mes genoux pour te raconter des histoires extravagantes auxquelles tu avais la gentillesse d'ajouter foi. Aujourd'hui, tu es devenu un homme. Le temps et l'espace nous ont séparés, mais malgré la distance, c'est à ce petit garçon aux yeux écarquillés que je demande une fois de plus de me croire. Cette fabuleuse histoire débute il y a 13 ans sur le territoire de l'Arizona, entre les monts Pinaleno et les portes de l'enfer. On vient chercher des appâts pour attraper les araignées. C'est terminé. Il y a un problème, Monsieur Dix. Ouais, Carter, y a que t'es complètement fou. Et surtout que je t'ai déjà pris tout ton argent. Je te rappelle que t'as déjà une ardoise ici. Je te paierai. Ah. J'ai rencontré un vieil Yavapai qui dit connaître une caverne. Non, c'est terminé. Maintenant, je suis plus d'humeur. Tu m'as assez roulé avec tes histoires de mine d'or. Allons, allons. Un peu de respect, voyons. Il s'agit de la caverne de l'araignée qui regorge d'or. Je te sers plus, Carter. Va au diable. Il me semble que... il vient de te dire que t'en as lu, non? Je m'en irai quand j'aurai rempli mes sacoches. J'ai trouvé ça il y a 2 jours, près de Bonita. Je crois que ça paye largement ce que je te dois. D'abord des haricots. C'est la première chose qu'il me faut. Il me faut des haricots. John Carter, vous êtes attendu à Fort Grant. Je vous conseille de nous suivre sans faire d'histoire. Tu me conseilles. On ne vous trouve jamais là où on vous cherche. Capitaine Carter. Premier régiment de cavalerie de l'armée de Virginie du Nord, des États confédérés d'Amérique. Je suis le colonel Powell. Bienvenue au 7e de cavalerie des États-Unis. Excellent cavalier. Fine lame, à ce qu'il paraît. Décoré et cité à 6 reprises, y compris dans l'ordre de la Croix sudiste. À Five Forks, le détachement que vous commandiez a failli inverser le cours de la bataille. En résumé, un combattant exceptionnel. Et donc, aux yeux de l'oncle Sam, un homme indispensable à la défense du territoire de l'Arizona. Non. Écoutez, mon garçon, nous sommes littéralement submergés par les Apaches. Je ne suis pas concerné. Détrompez-vous, capitaine. Cela vous concerne plus que vous ne le pensez. Chaque jour, des gens sont massacrés chez eux. C'est vous qui avez commencé. Débrouillez-vous. Ah. Alors vous êtes devenu indien, c'est ça? Les Apaches sont aussi dangereux que vous. L'espèce humaine est fondamentalement agressive et je m'en désintéresse. Vous êtes pourtant un soldat hors pair, ce qui vous rend précieux pour notre nation et notre cause. Écoutez-moi bien, colonel.
Si vous sous-entendez que j'ai une dette envers vous, notre pays, ou je ne sais quelle plus noble cause, j'estime que je l'ai déjà payé. Je l'ai payé très cher, colonel. Alors je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais m'évader de cette cellule. Je vais faire enregistrer ma mine d'or et je vais devenir très riche. Si riche que je pourrai bientôt vous acheter avec votre bel uniforme bleu pour pouvoir vous botter l'arrière-train à longueur de journée. Ah. Ah j'ai un peu de mal, je dois l'avouer, capitaine, à associer l'image évoquée sur ce bout de papier avec celle que j'ai sous les yeux. Et je ne saurais trop vous conseiller de recouvrer vos esprits et d'accepter l'offre qui vous est faite avant que je ne me persuade de mon erreur. Caporal, cet homme reste aux arrêts jusqu'à nouvel ordre. Bien, mon colonel. John? John? Oh, quel dormeur. Le souper est servi, mon chéri. Je t'ai donné un saut. Attention, je te le dirai pas deux fois. De Domingo. Taisez-vous, caporal. Shisoha Shinta. Kunan Shinka. Disilada Bishiadi. Donidi. Swaita. Bishalada. Bisha. Ati. Qu'est-ce qu'il dit, caporal? Idehi. Bisha. Akoli. Tirschu. Toka. Finish. Qu'est-ce qu'il dit? Idehi. Estane. Jean-Mi. Carter, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que. Je vais voir où ils sont. Couvrez-moi.